Bonjour, moi je m'appelle Nissa, le nom complet c'est super compliqué. Je viens de Madagascar, j'ai 29 ans, bientôt papa. Je représente une association qui s'appelle FFF ou Malagasy Maumbi. En gros, ça veut dire interformation, éducation et animation culturelle pour devenir des Malgaches efficaces. Alors, Madagascar, comme vous le savez peut-être, c'est une grande île. Qui est beau, qui a tant de richesses, mais malheureusement qui se trouve très pauvre. Donc moi, dans mon association, en fait, nous, on fait des recherches plutôt orientées sur la question d'empowerment. Donc l'empowerment, en gros, nous, on l'utilise pour désigner que, à travers l'éducation et la formation, on donne à chaque personne malgache une occasion de pouvoir se transformer en quelqu'un de meilleur, d'efficace. Je suis engagé depuis 2012, donc j'étais arrivé dans l'association comme un jeune à la dérive parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie, en gros. J'étais arrivé dans l'association en tant qu'informaticien. Je leur aidais un peu pour tout ce qui était informatique et tout ça. Et après, je me suis approprié de plus en plus les valeurs que partage l'association pour ensuite en devenir militant. Et puisque il faut de quelque chose pour vivre, on nous a embauchés en tant que salariés et ça nous a permis de continuer à faire des recherches. Quelles recherches en fait? C'est vraiment de mettre en place des systèmes pour la jeunesse, une sorte d'incubateur par exemple. Et c'est une boîte où le jeune qui y entre, c'est un bon à rien, il ne sait pas ce qu'il veut faire et tout ça et tout ça. On le forme dans l'incubateur et il en ressort une personne efficace qui sait ce qu'il veut et qui est capable d'aller au-delà. L'association que je représente, en fait, il a son siège social à Fianarantsoa. Il a des antennes à Antananarivo et maintenant on commence à s'implanter à Toamasina. Et il y a des représentants à Majunga. C'est une association à but non lucratif déjà. Nous sommes financés par des partenaires européens, surtout le CCFD, Terre Solidaire.